Ah bah deux ans mieux, parce qu'en plus t'as été chez lui. Ah oui, rue de Grenelle. Ah mais bah ma papa. Il a de magnifiques tableaux. Attends, laisse-moi deviner, des tableaux japonais, non? Oh non, 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 pas du tout. Un petit Dufy bleu et rosé, ravissant. Mais pas vrai, papa. Pourquoi as-tu été chez lui? Eh bien, il voulait me rendre ma tasse de thé. Parce que vous n'auriez pas pu aller au premier étage de la Tour Eiffel ou au buffet de la gare de Lyon comme tout le monde. Non, il a fallu aller chez lui. Mais ma parole, mais tu me fais une scène. Non, 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 on continue, mais ensuite. Ensuite? Ensuite, ben, qu'est-ce que je te dise, moi, il est revenu encore ici. Encore? Oui, mais je n'étais pas là. Ah bon? Et ben, pourquoi? J'avais été retardée. Et je l'ai trouvé là, devant la porte, quand je suis arrivée. Devant la porte, on va t'appeler. Vous avez acheté un gâteau. Un gâteau? Oui, pour le boire avec le thé. Enfin, pour le manger en buvant le thé. Ah, parce que tu l'avais réinvité. Eh bien oui, je voulais lui rendre sa tasse de thé, tu comprends? Oh, ben oui, je t'invite, tu m'as. Je te rends ta tasse de thé, il me rend sa tasse de thé, il se rend leur tasse de thé. Enfin, oh, ben oui, mais quoi? C'est ça. Oh, ben, vous avez été noyé dans le thé, hein? Ça vaut le thé, hein. C'est la vérité. Mais je te crois, une pareille quantité de thé, ça ne peut pas s'inventer. C'est à être dégoûté du thé ou du thé. Hein. Ah. Tu me racontes des bêtises, là, tu me fais marcher. Eh ben, marche pas, cherche tes clés. Et d'abord, comment sais-tu que c'est ton amant? Bah parce qu'il me l'a dit. Il te l'a dit? Oui. Et elle me l'a dit aussi, cherche tes clés. Voyage de noces. Où ça? Clermont-Ferrand, ça tombe bien au bout de la mer.